Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT, et je vous propose dans cette vidéo de découvrir un exercice de sophrologie que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, je le pratique beaucoup sur moi-même et j'aime beaucoup le partager en séance individuelle, notamment pour aider des personnes à évacuer une émotion ou à se libérer tout particulièrement de l'émotion de la colère. Voilà, cet exercice, c'est l'exercice dit du geste karaté. Pour les puristes de la sophrologie, hein, bien sûr, le geste karaté, c'est pas forcément pour se libérer d'une émotion, hein, c'est juste à pratiquer en conscience, sans intention particulière. Maintenant, je trouve que, de manière générale, moi et d'autres praticiens, hein, bien entendu, on trouve que cet exercice, il est particulièrement puissant pour évacuer une émotion, et notamment celle de la colère. Donc je vais vous le présenter et vous guider pour le pratiquer, cet exercice du geste karaté. Et en bonus, je vous montrerai aussi un dérivé assez ludique de l'exercice du geste karaté. Ce dérivé, ça s'appelle le jeu du coussin, où on va pratiquer par définition avec un coussin, donc c'est assez rigolo. Donc le geste karaté en sophrologie, il se pratique à l'aide du souffle et d'un mouvement du corps, un mouvement relativement doux du corps. Je dis relativement quand on a cette intention de colère, la douceur, je ne sais pas si on les associe forcément. Toujours est-il que c'est un exercice qui se pratique en posture debout, donc je vous invite à vous lever si vous ne l'êtes pas, à vous installer avec vos pieds bien ancrés au sol. Jambes décroisées, pieds à peu près parallèles à l'axe de vos épaules, le dos droit est détendu, vos bras le long du corps. Et je vous invite à placer cette intention de vous libérer d'une colère par exemple. Peut-être une colère consciente qui est là pour vous, ou si vous n'êtes pas trop sûr, émettez cette intention pour vous-même de libérer votre corps de quelque chose tel que une colère. Je vous invite ensuite à imaginer qu'il y a dans l'espace juste devant vous, ici, comme ceci, je montre avec mes mains, une cible qui représente quelque chose que vous auriez à évacuer, à libérer. Donc, pour la colère, imaginez peut-être que cette cible représente la cible de votre colère, telle qu'une situation qui peut-être vous pose problème. Voilà. Et donc, on va effectuer un mouvement en conscience à l'aide d'un rythme de respiration, un rythme qu'on utilise assez souvent en sophrologie. Donc je vous le présente et après je vous guiderai pour le vivre. Le rythme, donc c'est en respiration abdominale, hein, on gonfle le ventre à l'inspire et on le creuse à l'expire. C'est cela, on va donc le caler sur un mouvement du corps réalisé en conscience. On va travailler tout d'abord du côté droit du corps, puis du côté gauche, puis les deux. Donc on va commencer du côté droit, je vous montre et après je vous guide pour le faire. On va tout d'abord souffler par la bouche en creusant le ventre pour bien vider les poumons, comme ceci. Ensuite on va inspirer par les narines en serrant le poing droit, en gonflant le ventre et en levant le poing droit jusqu'à la hauteur de l'épaule droite. Il y aura ensuite un temps de rétention d'air, on va bloquer l'air quelques instants et juste garder le poing à la hauteur de l'épaule, en le ramenant très légèrement vers l'arrière pour se préparer à frapper un bon coup dans, vous savez, dans votre cible devant vous. Peut-être qu'il y a la cible d'une situation, de l'objet, d'une colère. Et puis sur l'expire, on va souffler fortement par la bouche, comme ceci, en venant frapper un bon grand coup dans la cible virtuelle. Enfin, pas dans une cible réelle. Ok ? Et ensuite, on va laisser la main redescendre tranquillement le long du corps en décontractant complètement et le bras et la main. Et ensuite, on fera un petit temps de pause. Et puis, rebelote, même chose à gauche et même chose ensuite des deux côtés. Donc, si vous le voulez bien, c'est parti. Alors, je précise que de manière classique en sophrologie, ça se pratique les yeux fermés. Maintenant, si c'est la première fois que vous faites cette pratique, bien sûr, faites-le les yeux ouverts, ça marche tout autant. Donc si vous le voulez bien, dans votre posture confortable comme ceci, debout, imaginez devant vous, si cela vous parle bien sûr, la présence d'une cible, peut-être la cible d'une situation, l'objet d'une colère.
ou un problème, quelque chose, une émotion à évacuer peut-être. Et puis vous venez focaliser tout d'abord sur votre bras et votre main droite. Vous soufflez par la bouche pour bien vider vos poumons en creusant votre ventre. Puis vous inspirez tout doucement par les narines en gonflant votre ventre et en levant tranquillement votre poing droit jusqu'à la hauteur de l'épaule. En rétention d'air, vous vous préparez à venir frapper dans votre cible en tendant légèrement votre poing vers l'arrière. Et à l'expire, vous frappez un bon grand coup dans votre cible en émettant peut-être l'intention de libérer de la colère, de la laisser circuler. Et puis, petite pause ensuite, les yeux fermés, vos bras le long du corps. Bras et main droit notamment complètement détendus, libérés. Vous observez les sensations ici et maintenant dans votre corps. Peut-être une différence de ressenti du côté droit par rapport au côté gauche. Peut-être un soulagement, une évacuation de quelque chose. Accueillez ça. Et puis on va refaire cet exercice de l'autre côté, donc côté gauche, les yeux ouverts ou fermés, comme vous préférez. Je vous dis idéalement les yeux fermés, sinon suivez les yeux ouverts, ça marche aussi. Donc pour cela, exactement la même chose du côté gauche, vous soufflez par la bouche en creusant votre ventre, en vidant bien vos poumons, puis grande inspiration nasale, en serrant votre poing gauche, vous le ramenez à la hauteur de votre épaule gauche, en rétention d'air, vous vous préparez à frapper de nouveau dans votre cible, et à l'expire, vous frappez un bon grand coup, et vous laissez votre main, votre bras redescendre, et se décontracter complètement à son tour. Pose de nouveau les yeux fermés s'ils étaient ouverts. Vous accueillez les phénomènes, les sensations dans votre corps, dans votre esprit. Observez peut-être notamment ce qui s'allège, ce qui se libère, ce qui s'apaise pour vous avec cette pratique. Et pour encore mieux nettoyer, libérer pour vous, peut-être quelque chose en lien avec une colère ou autre chose, votre corps sait quoi évacuer pour vous de toute manière, ici et maintenant, je vous propose de refaire cette pratique une dernière fois, cette fois simultanément du côté gauche et du côté droit. Sachant que bien sûr, vous pourrez le refaire autant que nécessaire pour vous si besoin après, hein, d'un côté ou de l'autre, bien sûr. Donc si vous le voulez bien, vous soufflez par la bouche en creusant votre ventre, puis grande inspiration nasale en serrant les deux poings et en les montant tous les deux au niveau de vos épaules. En rétention d'air, vous vous préparez à venir frapper d'un bon grand coup avec les deux poings dans votre cible. Et à l'expire, vous libérez encore plus. Voilà. Et vous fermez les yeux s'ils ne l'étaient pas déjà pour accueillir les effets bénéfiques pour vous de cette pratique dans chaque zone de votre corps à présent. Vous accueillez le bien-être, la libération, je l'espère, d'une colère ou de toute autre émotion ou toute autre sensation pour vous, ici et maintenant. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux à votre rythme, empli, je l'espère, des bienfaits, des effets positifs pour vous de cet exercice. Encore une fois, n'hésitez pas à le refaire si besoin. Et concernant la colère, si c'est ce pourquoi vous regardez cette vidéo, je vais vous montrer en complément, je vais vous montrer un livre, en complément un exercice qui vient du livre d'Isabelle Lefebvre-Vallée, sophrologue, qui a réalisé un livre sur la sophrologie appliquée aux enfants, l'enfant et la sophrologie. Et cet exercice, c'est l'exercice dit le jeu du coussin, en fait. Donc pour cela, vous avez besoin d'un coussin. donc elle le propose pour les enfants, parce que c'est vraiment un exercice ludique, dérivé de la sophrologie, qui peut notamment aider à libérer de la colère. Et il n'y a pas besoin forcément de savoir la source de la colère. Moi, je trouve aussi, tant pour moi que pour les personnes que j'accompagne en séance individuelle,
que ça aide aussi vraiment à libérer hein, à tout âge, adulte y compris. Donc pour cela, vous avez besoin donc d'un coussin et on va faire un mouvement relativement similaire avec un coussin entre les mains. Donc on n'est pas sur l'idée d'une cible, on va se servir d'un coussin en imaginant que le coussin, ici présent, celui que je tiens là, ou le vôtre, quel qu'il soit, représente l'objet de votre colère, votre problème. Okay ? Et donc on va faire à peu près le même geste. Je vous montre, hein, et après je vous guide pour le faire. Vous allez souffler par la bouche en creusant le ventre. À l'inspire, vous allez lever tranquillement devant vous votre coussin. En rétention d'air, vous allez bien comprimer, bien serrer ça tout fort. Et puis à l'expire, cette fois, vous allez le jeter violemment à terre, le balancer, en émettant l'intention de vider, d'évacuer l'objet de votre colère, quelle qu'elle soit. Même si elle n'est pas totalement conscientisée, même si c'est un peu diffus, votre corps et votre esprit, ça leur aidera à libérer un trop-plein, évacuer quelque chose, quelle que soit cette chose qui a besoin d'être évacuée. Ok ? Donc, coussin en main, dans votre posture debout, les yeux ouverts, hein, peut-être plutôt pour cette pratique, pour être mis en conscience de votre coussin et de ce qui a libéré pour vous ici et maintenant. Pourquoi pas le faire avec vos enfants, hein, bien sûr. À tout âge, ça se fait, ce jeu du coussin. Voilà, les bras le long du corps en tenant votre coussin. Tout d'abord, vous soufflez par la bouche pour bien vider vos poumons en creusant votre ventre. Puis grande inspiration en gonflant votre ventre tranquillement et en levant votre coussin jusqu'à la hauteur de votre thorax à peu près. Et puis en rétention d'air, vous comprimez, vous serrez bien fort votre coussin, l'objet de votre colère, de votre problème, quel qu'il soit. Vous serrez jusqu'à la résistance confortable. Et à l'expire, vous le jetez violemment au sol, vous libérez, vous laissez tout ça s'évacuer, sortir, de quoi qu'il s'agisse. Et puis les yeux fermés, vous accueillez les effets de cette pratique pour vous, ici et maintenant. Et puis vous pouvez réouvrir tranquillement les yeux. Et accueillir les bienfaits de cette pratique complémentaire. N'hésitez pas, si besoin, à refaire cet exercice autant de fois que nécessaire pour vous, vos enfants, ou enfin petits et grands, peu importe. En complément, petite minute d'autopromo, vous trouverez d'autres techniques de sophrologie, telles que le sophrodéplacement du négatif, la posture d'ouverture aussi, autre pratique de sophrologie, ainsi que plein d'autres techniques dans mon livre à moi qui s'appelle « Étendez votre zone de confort ». C'est un petit guide pratique pour vous aider à transformer votre vie à plein de niveaux. Exercice concret à l'appui. Voilà, ça peut intéresser certains d'entre vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté tout ce dont vous aviez besoin. N'hésitez pas à la refaire autant de fois que nécessaire si vous le souhaitez, ou même à la partager bien sûr. Tout le meilleur à vous pour la suite et puis à bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo.